Bonjour, donc bienvenue à la semaine du son Canada. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du concept de promenade sonore ou balade sonore, dépendamment des spécialistes qui la pratiquent et des publics auxquels elle s'adresse. Donc, on va porter à travers cette table ronde toute une réflexion autour de cette pratique. Pour citer le Breton, il dit que finalement, aujourd'hui, en déplacement, seul le regard importe. Or, le son est partout et c'est un indicateur très très fort qu'on oublie. Et justement, on oublie même que le sens de l'ouïe, finalement, c'est le sens de l'alerte et parfois même le sens aussi de la connaissance. Hein, je parle, par exemple, je pense aux ornithologues pour qui effectivement ce sens-là est particulièrement développé dans leur discipline. Antoine Fréchet disait que c'était un des champs artistiques de l'écologie sonore et je le rejoins complètement dans sa démarche. Il n'y a pas une façon de l'aborder, mais des façons de l'aborder. Et donc c'est l'objet de cette rencontre, justement, de voir comment ce que c'est, comment on l'amène, comment on la pratique et ce à quoi elle aboutit. Au final. Donc, je laisse la parole à Emmanuel Isère qui va animer cette rencontre et présenter nos invités. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. D'un point de vue pratique, la rencontre devrait durer entre 1h45 et 2h. Les participants peuvent à tout moment poser des questions via le chat et nous essaierons d'interagir avec vos questions au moment où elles sont posées. Donc surtout, n'hésitez pas à poser de questions. On essaiera de les injecter au gré et au milieu de la conversation. Donc Emmanuel, je te laisse présenter nos hôtes. Merci Pascal. Bonjour à tous. Donc ravie d'être avec vous pour cette table ronde autour de la promenade ou la balade sonore. Donc, nous allons essayer de justement partir en promenade. Et donc j'ai avec moi ce matin sept invités spécialistes de la promenade sonore. On va découvrir justement leur champ d'intervention divers et variés qui s'adressent à des publics aussi très différents. Donc, je vais d'abord commencer par les présenter. Nous avons donc avec nous Charles de Mestral. Donc Charles de Mestral, de 1975 à 1987, a été membre du groupe Morel & Sondes comme compositeur exécutant, sculpteur sonore, concepteur de systèmes électroniques. De 1968 à 2007, il a été professeur de philosophie au Collège du Vieux-Montréal. Depuis 1985, il réalise des installations sonores dans une perspective d'écologie sonore publique. À la retraite depuis juin 2007, il enseigne l'écologie sonore et la philosophie chinoise ancienne dans diverses institutions populaires. Nous avons également avec nous Raphaël Bruny, artiste, enseignant spécialisé dans l'écoute environnementale et plus précisément dans la pratique de la balade et création sonore. Après des études de piano et d'écriture au Conservatoire du Centre de Paris, il complète en 2018 un master de musicologie à l'Université de Paris sur l'analyse de l'écoute basée notamment sur des études de terrain auprès de jeunes en Sibérie. Aujourd'hui, il poursuit ses activités de compositeur et d'enseignant dans différents milieux, collèges, écoles de musique, centres d'art et dans différents lieux. Nous avons également avec nous Cathy Kennedy, qui est une artiste sonore formée en art visuel et en chant classique. Sa pratique artistique implique généralement la voix et les questions d'interface avec la technologie, utilisant souvent la téléphonie ou la transmission radio. Son travail s'engage dans l'espace public et l'espace physique. Elle s'implique également dans l'art communautaire. Est l'une des fondatrices du centre féministe de médias numériques Studio 20, aujourd'hui appelé ADAIS, ainsi que du groupe choral innovant pour femmes Cœur Mare. Ses installations, performances sonores à grande échelle pour de nombreux chanteurs radio appelés chorégraphies sonores, ainsi qu'à la série HMMM, ont été présentées dans le monde entier. Elle enseigne actuellement la musique à l'Université Concordia de Montréal. Elle donne fréquemment des conférences, des ateliers sur les techniques d'écoute, l'écologie acoustique et l'improvisation vocale. Je ne sais pas si Romain est arrivé, Romain Dumoulin, qui nous a rejoint, oui. Donc Romain Dumoulin, lui, est consultant senior pour la firme d'experts en acoustique SofDB. Il est impliqué dans les domaines du bruit environnemental et de l'acoustique architecturale depuis 13 ans et s'est spécialisé dans les enjeux de bruit urbain à travers plusieurs projets de recherche. Il a une expérience de 2 ans comme technicien en contrôle du bruit à la ville de Montréal.
et plusieurs mandats d'expert, notamment sur la gestion sonore des salles de concert à Montréal. Sur le bruit des concerts extérieurs, on y reviendra, je pense, demain sur cette question des concerts extérieurs. Il a également développé des solutions de réduction du bruit dans le secteur Guilbeault-Longue-Pointe à Montréal ou sur le bruit des véhicules pour la ville de Saskatoon. En dehors de ses activités de consultant, il anime depuis 2016 des balades sonores sur l'environnement sonore de Montréal, au cœur des sciences de l'UQAM. Il s'implique dans l'Association d'acoustique canadienne comme rédacteur en chef des médias sociaux et organisateur du chapitre local de Montréal et dans la semaine du son canadien. Nous avons également, peut-être elle est arrivée, Anastasia Chernigina. Anastasia est donc linguiste et professeure de langue étrangère à Moscou. Anastasia poursuit ses études à l'Université de Franche-Comté par la suite, où elle s'initie à la pratique de la radio et de l'enregistrement sonore. En master sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8, elle a lancé sa recherche action sur le dispositif des promenades sonores et des créations. Excusez-moi, et des créations. Avec deux musicologues, notamment auprès d'Antoine Fréchet et Raphaël Bruni. Sa recherche existentielle sur le lien entre l'humain et son environnement s'est transformée en une recherche doctorale en sciences de l'éducation avec co-direction en musicologie depuis 2016. Elle travaille actuellement comme enseignante, animant ses pratiques auprès d'adolescents dans différentes structures et lieux. Nous avons également avec nous Arthur Engelhardt. Nantais d'origine, mais j'ai cru entendre qu'il était à Paris en ce moment. Donc, il a suivi des études en géosciences à l'École normale supérieure de Paris jusqu'à l'obtention d'un master de climatologie en 2019. En parallèle, il s'engage de manière militante dans l'éducation populaire et travaille comme animateur et se spécialise progressivement auprès de plusieurs publics en situation de handicap. Il part en 2019 pour Cayenne et explore l'enregistrement de terrain en autodidacte dans le cadre d'un premier projet personnel intitulé Pédagogie des paysages sonores. Il amène à réfléchir au possible d'une médiation de l'écoute environnementale. Ce dernier donnera naissance en juin 2020 à l'association du même nom, abréviée PEPASON, et dont il est l'actuel président. Cet organisme vise à développer un réseau de partage de pratiques et d'inspiration autour de l'écoute et des paysages sonores comme forme d'expérience. Et nous avons également avec nous Gilles Malatret. Gilles Malatret, artiste, promeneur écoutant, pédagogue, travaille depuis de nombreuses années autour du paysage sonore. Dans une posture associant des approches esthétiques, culturelles, artistiques et écologiques, l'écriture et la composition de paysages sonores sont fortement liées au territoire investi, qu'il soit ville, périurbain, milieu rural, espace naturel, site architectural. Ce sont toutes ces problématiques qui occupent une grande part de sa vie. C'est dans la pratique notamment de l'organisme des arts sonnantes dont il occupe depuis plusieurs années le développement. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet avec la promenade sonore. Vous êtes tous des spécialistes de cette promenade sonore, donc pour vous ça semble assez évident ce que c'est qu'une promenade sonore ou une balade sonore, mais j'aimerais peut-être revenir au départ et peut-être je vais revenir au point de départ, peut-être avec Murray Schafer, et là peut-être donner la parole à Charles de Mestral. Je pense, Charles, que vous avez eu la chance de participer aux premières promenades sonores de Murray Schafer. Est-ce que vous pourriez nous évoquer qu'est-ce que c'était dans ce début avec Murray Schafer? Oui, absolument. Murray Schafer est tellement important pour ces questions. Je ne dirais pas que j'ai assisté à la première promenade sonore de Murray Schafer, mais j'ai assisté à un atelier qui a eu lieu dans le nord de l'Ontario, dans la forêt, près du parc Algonquin, parc très célèbre au Canada. C'était quelques jours, je pense, qu'on a passé avec lui. C'était juste avant un événement annuel qu'il organisait dans les mêmes lieux, qui s'appelle le Wolf Project. Il réunissait un groupe d'artistes chaque année, de comédiens, musiciens, artistes de scène. Et il a fait un atelier de sensibilisation sonore juste avant. C'était une promenade sonore classique, c'est-à-dire là, on avait des yeux couverts. Quelqu'un nous menait à travers les sentiers de la forêt.
Je me souviens de quelques détails. Murray Schafer était très original et très non dogmatique. À un moment donné, on était arrêté à écouter et j'ai senti quelque chose sur le côté de mon cou. Et il avait pris un brin d'herbe et nous chatouillait un peu comme pour nous rappeler qu'il n'y a pas rien que le son. On est l'être humain est un ensemble de sens. Je dirais sur Murray Schafer, juste pour conclure, il était surtout humaniste, et au sens très pratique. Dans sa composition, il se méfiait beaucoup de la technique et même de la musique électroacoustique et les moyens électroacoustiques. Je pense qu'il a suivi un atelier libre au studio de musique électronique à McGill, mais il n'était pas très impressionné et il composait surtout pour des instruments traditionnels et beaucoup pour la voix, beaucoup de musique chorale et de chants solo. Vraiment, je dirais qu'il était humaniste à la canadienne. Je pense que dans la culture française, on valorise beaucoup la technique, mais Murray Schafer, ce n'était pas ça. C'était l'être humain qui doit se connaître comme dans son corps, dans son expérience sensorielle. Et la promenade sonore, c'était un moyen parmi d'autres. C'était également un très grand pédagogue. Il y a beaucoup d'ouvrages de pédagogie, de l'apprentissage du sonore écrits par Schafer. Et ça revient à nos sens et le corps humain, tout simplement l'être humain, pas comme un robot dans le métavers, mais simplement un être humain avec ses moyens limités ou énormes, comme on veut le défendre. Mais c'était vraiment son approche à lui. Et la promenade sonore servait tout simplement à sensibiliser les gens. Donc, plus tard, je pourrais parler de mon expérience. J'animais un cours dans un collège, un cégep, comme on dit ici, pour les étudiants en communication. Et on pratiquait la promenade sonore au centre-ville de Montréal pour écouter le centre-ville. Je m'arrête là. Puis... On va revenir. Oui, d'accord. Sur cette promenade sonore, là, donc on évoque que Murray Schafer commençait par proposer à des artistes de prendre conscience de l'environnement, les artistes, les musiciens, donc normalement sensibles à cette question du son, normalement. Et donc là, on peut se poser la question donc, sur cet aspect de cette promenade sonore. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'on a, vous avez évoqué cet élément-là, donc des spécialistes qui ont l'habitude d'écouter ont besoin de se ramener à cette écoute de leur environnement. On a également évoqué, vous disiez que vous aviez les yeux fermés. Alors peut-être qu'on peut rentrer dans le du sujet, ces promenades sonores, est-ce qu'elles se... Puis là, je vais laisser intervenir qui le souhaite. Dans quel cadre ça se passe? Est-ce qu'on doit être dans la nature? Est-ce que c'est la ville? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que quelqu'un peut aurait envie de nous faire part de pour juste compléter brièvement, j'ai amené les étudiants au centre-ville et c'était logistiquement difficile de les amener les yeux fermés. On se promenait en file, mais on pouvait se parler, on avait les yeux ouverts. C'était très difficile de traverser. Si vous connaissez la circulation à Montréal, faire traverser quelqu'un les yeux bandés entre les conducteurs montréalais, je ne conseille pas. Est-ce que Gilles, qui menait des promenades sonores, pourriez nous parler justement quel est pour vous le contexte? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Et est-ce que c'est milieu urbain, quel milieu, Gilles? Alors, pour moi, il n'y a pas de milieu privilégié. Parfois, je suis dans des grandes des métropoles, au centre. Parfois, je suis dans des forêts très, très rurales, donc montagnardes. Je dirais que partout où il y a du son, je vais me faire un peu cadjien là, partout où il y a du son, il y a de l'intérêt à l'écouter.
Et donc, j'ai absolument aucun a priori sur le lieu. C'est le contexte en fait qui est intéressant. C'est le contexte et savoir ben, l'objectif qu'on a. Et les objectifs sont forcément pas les mêmes. On parlait de public tout à l'heure. Si j'emmène des aménageurs, des urbanistes, des architectes, des paysagistes, ça va être différent que si c'est une école d'art et peut-être différent que si c'est un public familial où à chaque fois, en fonction du lieu et du contexte, on va réécrire in situ sa promenade sonore. Peut-être pour compléter ce qui a été dit, on a parlé de Murle Schaeffer. Et si je me réfère à l'urbanité, moi j'aimerais citer quand même une autre personne qui pour moi a encore une importance capitale, c'est Max Neuhaus, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, cet artiste new-yorkais, grand admirateur de Cage, et qui a mis en place toute une série de performances qu'il appelait des listen, dans des expériences très performatives, très esthétiques. Moins, sans doute moins pédagogique que Murle Schaeffer, parce qu'il avait une vision plus esthétique de la chose. Mais c'est pour moi aussi un des piliers, avec Murle Schaeffer, des gens qui ont expérimenté ces sound work, pour employer la terminologie anglo-saxonne. Voilà, donc. Donc, je dirais qu'il y a, pour revenir à mon expérience, il n'y a pas de recette. Et il n'y a pas de territoire privilégié. D'accord. Est-ce que, là, j'ai envie de questionner Arthur par rapport à la question justement du public aussi, dans le cadre de votre organisme, comment vous allez rejoindre justement qui vient faire ces promenades comme. Quel est le contexte? Est-ce qu'on va chercher un public? Est-ce qu'on fait une proposition? Est-ce que les gens viennent d'eux-mêmes? Comment on procède justement? Merci beaucoup. Bah oui, c'est une super question, puis ça va me permettre d'enchaîner, de rebondir aussi sur ce que je disais. Pour répondre à votre question, je vais me baser sur un cadre particulier où effectivement l'association Pépasson a entre autres monté un projet depuis qui est expérimental cette année et puis qui va, on espère, se développer petit à petit, qui s'appelle la tournée des balades sonores. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence directement ou pas, mais donc ce projet a une forme un peu toute particulière, puisqu'on l'a imaginé avec les différentes personnes du collectif, et entre autres Gilles Malatré qui est là aussi. C'est un projet itinérant qui a pour but d'aller sur les territoires et d'inviter en local deux artistes, chercheurs, chercheuses, ou qu'à personne qui a une pratique de la balade sonore, à venir à deux personnes à collaborer, à proposer à des publics spécifiques sur lesquels je vais revenir, une expérience, enfin une double expérience du coup, de ce que c'est la balade sonore. Et ce projet va doucement, a pour but aussi doucement, d'aller nous interroger sur ce que peut être la balade sonore, puisque en lançant ce projet, on est parti sur le principe qu'on ne savait pas ce que c'était. Et on voulait le découvrir au prisme de ce que chacun et chacune faisait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est à trois événements qui ont eu lieu et bientôt à Marseille. Donc, on a fait Lyon avec Gilles et moi en première phase expérimentale en juin dernier. On a fait une étape à Grenoble, pardon, avec les artistes Benoît Frèche et Alessandro De Secco en septembre. On a fait une étape à Paris avec Juliette Vauclair et Maki Solomos en janvier. On va partir à Marseille, plus précisément à Istres, à côté, avec Caroline Boé et avec Pascal Messaoudi, du coup, en avril prochain. Et on a eu, ça me permet de prendre des exemples très concrets hein, pour montrer un petit peu des cadres, on a eu des balades à oreilles nues, qu'on pratique notamment Gilles et moi, qui se répondaient bien là-dessus, avec un corps qui marche, et puis on n'est pas équipé. On a eu des balades très équipées quand on était avec Alessandro et avec Benoît à Grenoble, où les deux ont pratiqué des balades avec de la technologie, avec des casques. Alors l'un avec des micros qui rajoutaient dans le milieu pour aller écouter l'inaudible, l'inouï, aller faire des zooms, comme Benoît le dit, sur certains endroits. Et puis Alessandro, lui, qui nous a proposé une composition hybride avec des enregistrements qui réactivaient les
appelé paysage décalé, puisqu'il nous proposait des écoutes de lieux réactivés, qui étaient néanmoins poreux à une écoute aussi du moment. Et puis avec Juliette et Makis, on a tenté une balade avec des enjeux qui étaient politiques, où on a pratiqué plutôt des gestes d'écoute, on a expérimenté la posture d'écoute, on a enchaîné quelques gestes. Est-ce qu'on est à deux à se tenir? Est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce qu'on marche? Est-ce qu'on s'arrête? On avait plein de choses. Et puis là, on va partir sur un enjeu de pollution sonore avec Caroline Boé, et puis un enjeu d'histoire avec une balade sonore augmentée, avec des récits avec Pascal bientôt. Et pour boucler du coup la deuxième partie de votre question, donc ça permet de voir voilà, différentes formes. Est-ce que ça a une forme des balades? Bah, voilà, nous, on n'a pas de réponse. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y en a plusieurs. Par contre, quelles sont les formes? On est encore en train de les expérimenter. Et puis sur la réponse des publics, le projet spécifique qu'on a fait, qui est cette tournée, lui, on l'a construit justement. Je pense que c'est important pour rebondir par rapport à ce que Gilles disait. C'est que le public est un élément central vis-à-vis de la forme qu'on va chercher à produire. C'est à partir de ce public et de son articulation avec un enjeu qu'on va déterminer la forme. Et nous, les choix qu'on a faits, c'était des balades relativement courtes, une articulation de balades sur à peu près 2 heures, de manière générale, ceci étant lié plutôt à des dimensions qui sont de l'ordre de est-ce que les gens vont réussir à tenir de l'attention, rester attentionnés, et puis surtout parce que nous, on enchaîne nos balades avec un débat. Donc, il faut rester disponible pour pouvoir ensuite discuter, etc., de notre expérience. 12 formats qui peuvent néanmoins évoluer. Et puis, nous, le public qu'on a cherché à cibler, c'est des publics d'éducateurs et d'éducatrices à l'environnement, mais pas que. De manière générale, c'est plutôt un public. Alors, on collabore en fait avec un réseau d'éducation à l'environnement qui s'appelle le GREN en France, mais aussi avec d'autres localement, avec d'autres associations et groupes. Selon les contextes. Et donc ce public, pourquoi on l'a choisi? Parce que notre association, on a pris la décision ensemble qu'un des enjeux qu'on voyait derrière la balade sonore, et peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, c'est vraiment un enjeu politique. Il y a une charge politique qui est très très forte dans l'écoute, on pense, et on se revendique tous d'une appartenance, d'une affinité avec l'éducation populaire. Et donc on s'était dit, comment est-ce que, en tant qu'association aussi assez petite, etc., on peut avoir des actions qui vont opérer cette éducation populaire, qui vont permettre aux gens vraiment de s'approprier des savoirs, de développer des choses. Et donc, on s'est dit, on va viser, en fait, pour avoir une action locale sur les territoires, on va viser avant tout de rassembler un public du territoire, pas faire venir les gens de loin, et un public qui, lui, a une action au jour le jour, au quotidien, à l'année, sur ce territoire. Et donc, nous, on y va, on ne fait pas comme si on le connaissait. On remet les clés, on propose une forme à des gens qui, eux, connaissent leur territoire, avec l'espoir qu'ils le remportent avec eux et ensuite l'adaptent, le transforment pour être capable d'en faire quelque chose qui ensuite va performer peut-être sur plus long terme. Voilà, je m'arrête là, puis on pourra revenir sur la question du public en situation de handicap sur lequel on a fait des choses aussi avec Gilles, etc. Mais je pense que plein de gens ont des choses à dire, donc je vous remercie de ce temps. Ça nous permet vraiment de voir la pluralité, en fait, des approches, justement, de manque technique. Et on va voir, justement, qu'est-ce qu'on donne à écouter. Et j'aurais envie de demander à Romain Desmoulins. Je crois que, Romain, il y a eu une expérience dans un quartier. Tu as mené des expériences dans un quartier où, justement, c'est un enjeu aussi de faire découvrir aux personnes, en fait, dans quoi ils vivent en tant que tel. Est-ce que tu pourrais nous évoquer, justement, ces démarches de promenade sonore, justement, et là on est dans presque une conscience même de soi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, est-ce que tu parles d'une étude acoustique dans laquelle j'ai participé où on a impliqué les citoyens? Parce que sinon, moi j'allais parler, l'essentiel de mon expérience dans les balades sonores, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ça depuis 6 ans avec le Cœur des sciences à Montréal, qui est un centre culturel qui a pour mission de contribuer au développement scientifique. Et donc, c'est sûr que moi, les balades que je fais, elles sont probablement les moins artistiques. En tout cas, je n'ai pas encore entendu toutes les autres expériences de balades, mais celle que nous, on a développée, elle est quasiment pas du tout, même si elle vient de Murray Schafer, etc., elle est vraiment dans un contexte beaucoup plus didactique que vraiment sensoriel ou artistique. Et vraiment, nous, elle sert ces 2 heures et demie où on a un grand, c'est du grand public. On présente
On partage des informations et des résultats même de projets de recherche sur l'acoustique, la psychoacoustique, la recherche en soundscape. Et en fait, on se concentre sur les effets négatifs du bruit et les effets positifs de l'environnement sonore et en se déplaçant. Mais vraiment, on est quand même très loin de l'approche très sensorielle, même si forcément l'ordi d'écouter et puis de s'intéresser à l'environnement sonore. De mon côté, par exemple, le seul moment où je vais parler de design sonore et de la pertinence d'inclure, par exemple, des artistes dans ce processus-là d'améliorer l'environnement sonore, c'est vraiment à la toute fin, après 2 heures, 2 heures et quart, où on explique qu'on peut aussi faire du design sonore notamment pour les Montréalais qui sont ici. Je parle du bruit du métro, le fameux doudoudou pour les Montréalais, là. Et qu'on peut concevoir la ville vraiment comme si on était un designer sonore. Par rapport à ta question, Emmanuel, il y a aussi quelque chose qu'on est en train de faire, parce que moi je suis aussi consultant, puis c'est peut-être quelque chose que je peux rajouter, c'est donc on fait des études acoustiques, on fait des études d'impact pour évaluer des études. Au Québec, on appelle ça une étude de climat sonore, donc pour évaluer comment un environnement sonore évolue, mais souvent dans un contexte très réglementaire. Et là, de plus en plus, puis ça c'est un projet que j'ai fait il y a 2 ans. On essaye d'amener ou de collecter des données qualitatives dans cette étude de climat sonore. Donc vraiment, au lieu de faire juste des mesures de niveau de bruit et des simulations, des modélisations, où on commence à, on a donné des questionnaires, on a fait une étude socio-acoustique, et puis une démarche qui est en cours, mais que moi je supervise pas totalement, où c'est des marches justement qu'on fait avec les citoyens pour demander leur avis sur leur environnement sonore. Et ça, je ne sais pas si on peut appeler ça des promenades sonores, j'imagine que oui, mais ça, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant, parce que c'est vraiment utiliser ce concept-là et le mettre dans un cadre quasiment réglementaire. J'adorerais que la notion de promenade sonore, elle soit incluse comme une exigence dans le devis qu'on donnerait à un acousticien et à une équipe de spécialistes en environnement sonore ou autre, qualité de l'air, poussière. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, je dis pas juste ça parce que ça va me ramener du travail, mais vraiment, je pense que ça serait une des vocations, enfin, une des objectifs ultimes là, pour nous. Voilà, je m'arrête là-dessus. Alors, quand on voit que finalement, il y a des approches vraiment très différentes de la promenade sonore, mais j'ai envie de dire, comment vous faites un choix de ce que vous allez donner à écouter? Je pense à Anastasia et puis Raphaël, vous travaillez dans un contexte scolaire parfois ou avec des adolescents. Comment on fait le choix de ce qu'on a envie de donner à écouter? Ou est-ce que c'est vous qui faites ces choix-là, ou est-ce que vous guidez simplement, notamment avec un public adolescent, comment procède-t-on? Anastasia, Raphaël? Mais je ne sais pas qui va, du coup, vous m'entendez? Oui, déjà. Oui. Excusez-moi pour le retard, parce que j'ai des soucis de connexion. Je pense que l'endroit, le choix de ce qu'on écoute, c'est en lien avec l'espace, justement, de notre balade et l'espace où habite, où existent ou vivent ou les jeunes avec qui on travaille. Donc c'est plutôt simple, donc c'est local, donc c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Pour nous, c'est pas le but d'aller très 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 loin dans un endroit super joli et super acoustiquement fin, mais c'est plutôt de chercher le contraste, et c'est ça, on essaie de trouver dans chaque expérience qu'on fait. Mais surtout quand même poser localement au niveau de la vie des adolescents avec qui on travaille. Je ne sais pas, peut-être Raphaël va ajouter des choses Je pense que on cherche pas forcément à les faire écouter des sons spécifiques, mais à effectivement
effectivement travailler déjà sur leur environnement de vie du commun, pour revenir un peu sur ce que disait Romain. L'idée, effectivement, c'est déjà de pas forcément avoir une approche artistique, mais avoir une approche déjà d'écoute et de voir, on va dire, toute le panel de types de sons qu'on peut retrouver, qui n'ont pas forcément d'écouter, de faire de prêter attention. Et ensuite, effectivement, on va pour faire médiation aussi, et puis dans un second temps, pour les aider à approcher les sons différemment, on va stimuler une démarche artistique qui n'a pas pour but de juger ou de préciser ce qui va être bien ou mal dans le son ou d'aller les distinguer, mais plutôt de voir comment eux vont pouvoir se mettre en lien avec ces sons et donc avec l'environnement, puisqu'on en revient à cette idée de les stimuler à l'écoute de leur propre environnement. Pour aussi s'intégrer à cet environnement, parce que l'idée de comprendre les sons, c'est de comprendre les interactions qu'on va avoir avec ces sons. Donc, c'est surtout ça, en fait, qu'on va travailler, c'est la compréhension des interactions avec l'environnement. Comment nos propres sons, nos propres actions agissent, influent l'environnement sonore, en plus des interactions qui s'effectuent déjà au sein même de l'environnement. En fait, on va pas s'orienter sur un son, sur un type de son, etc. On va vraiment s'orienter sur les influences des différents sons. Donc finalement, dans un premier temps, c'est forcément plus facile de parler de son, de dire voilà, il y a le son de l'oiseau, le son de la voiture. Mais dans un second temps, ce qui va être important, c'est de voir comment les sons, eux, agissent les uns avec les autres. Parce que en général, savoir que c'est un son d'une voiture, bon, ça, c'est assez commun, quoi, c'est facile. En revanche, bien entendre les rapports des événements, des actions qui s'effectuent, ça c'est plus rare. Et notamment là où ça se stimule dans un premier temps, c'est avec les passants. Quand on rencontre des gens, toujours la première chose qui choque, c'est que effectuer une balade change le comportement des passants. Donc ça tout de suite, c'est la preuve, c'est l'influence avec l'environnement la plus flagrante, quoi. Donc voilà, c'est plutôt un jeu d'influence, je pense, qui nous intéresse. Est-ce que Cathy, vous voudriez rebondir sur ces éléments-là par rapport à vous, votre approche? Est-ce qu'on identifie donc ces sons, mais peut-être leur morphologie, leur manière d'être, comment ils viennent en relation avec nous? Est-ce que vous voulez nous partager aussi votre approche? Oui, effectivement, j'ai mené des balades sonores de différents types où on écoute tout simplement. L'aspect le plus important pour moi, c'est le partage après la promenade pour discuter ce qu'on a expérimenté. Mais pendant ma démarche personnelle, j'ai essayé de créer un type de balade sonore qui est aussi à la même fois une pièce, une œuvre artistique. Surtout, je veux attirer les gens qui ont une résistance à l'écoute, et il y en a beaucoup. Alors j'ai essayé de créer des pièces performatives accompagnées d'une bande sonore et diffusées par une transmission radio de faible puissance, mon dispositif sonore préféré. Ma version de la marche sonore invite les interprètes à interagir avec l'environnement, mais aussi simultanément avec la bande sonore qui l'accompagne et qui agit comme un élément unificateur tout au long de la pièce. J'aime particulièrement la façon dont ce processus affecte l'approche des interprètes. Ils interagissent avec la bande sonore, avec l'environnement, et selon l'endroit où ils se trouvent, ils sont à peine à portée d'oreille
d'un musicien de chaque côté. C'est-à-dire, j'invite des musiciens à participer. Normalement, environ 5 musiciens qui sont placés au long d'un kilomètre ou plus loin. Et ils interagissent avec ma bande sonore et l'environnement. Et je trouve que, comme avec ça, ce petit élément, une public non initié à l'écoute, ont quelque chose, un aspect unificateur pour référer ce qu'ils entendent à l'environnement, disons. Est-ce que je m'explique? Est-ce que ça s'explique? On a pu, à travers vos différentes interventions, une pluralité, j'ai vraiment, de ce que c'est que la promenade sonore, vraiment, dans ce côté vraiment de pointer justement, justement, de ramener à l'écoute ou d'y poser vraiment un geste artistique et puis de manière différente, chacun d'entre vous. J'ai envie de dire, même si vous pouvez détailler un peu, parce que c'est, pour vous, ça vous semble évident, peut-être parce que vous êtes complètement à l'intérieur, mais qu'écoute-t-on dans une promenade sonore? Et là, j'ouvre de manière large parce que vous avez évoqué, il y a ces rencontres de passants, ça veut dire qu'on est à la fois, vous ne le faites pas tout seul, vous le faites, peut-être vous le faites avec un seul individu, mais vous êtes apparemment, vous le faites davantage en groupe. Donc, évidemment, on a aussi un son de groupe, et il y a le son dans lequel il vous entoure. Mais où est la part en fait de l'écoute individuelle ou collective des promeneurs justement qui sont là? Comment vous accompagnez ces éléments-là? On a évoqué que mes chauffeurs demandaient de fermer les yeux. Y a-t-il autre chose de contrainte qui amène à cette écoute-là également? Est-ce que Gilles ou quelqu'un voudrait rebondir sur ça? Moi, vis-à-vis des enfants en tout cas, S'il y a une contrainte, la plus dure, c'est de rester silencieux. Ça, c'est... voilà. Après, fermer les yeux, ça, non. Déjà parce que... pour moi, si on ferme les yeux, il n'y a plus balade. On est plutôt dans du field recording. si je dois fermer les yeux... Les yeux, pour moi, c'est les yeux qui vont permettre de nous diriger, qui vont permettre de voir les objets, et ensuite on voit avec les oreilles, enfin on voit avec les oreilles, on va entendre, on va voir, en fait on va réfléchir, allons-nous entendre ce que nous observons ou allons-nous entendre ce que nous observons pas, ce qui est à côté, ce qui est derrière nous, ce qui est au-dessus de nous, à droite, à gauche, ou même derrière l'immeuble. L'idée, c'est de distinguer justement, puisqu'on parlait du fait que la vue était un sens privilégié, et ben, l'intérêt de la balade sonore, c'est justement de mettre la vue comme simple outil directif et d'avoir l'ouïe comme organe privilégié, enfin, comme sens privilégié, et de voir comment on peut se concentrer dessus et laisser l'ouïe faire simplement un travail de sécurité, de... voilà. Donc, bloquer pour nous, ça nous arrive de demander aux enfants, effectivement, on s'arrête à un endroit, on peut leur demander de fermer les yeux. Là, ça devient un exercice pour les remettre un peu dans le bain, mais c'est un exercice qui nous sort de la balade, à proprement parler. Mais lors d'une balade, pour moi, c'est très important de garder les yeux ouverts. Si je peux rebondir là-dessus. Je dirais que Raphaël vient de parler du silence. Effectivement, c'est quelque chose qu'on installe, comme on installe l'écoute, on installe le silence pour installer l'écoute, et donc c'est très important. Et moi, il y a un autre couplage auquel je tiens beaucoup, c'est la lenteur. C'est-à-dire, dans la posture du marcheur, on marche à moins de 2 km/h, et ça sur tout le trajet. C'est une sorte de rituel qui s'installe entre le silence et la lenteur.
qui participe à l'immersion, en fait, à l'immersion sensorielle, à la place du corps dans l'espace, à la place de, et puis aussi dans une idée de décélération dans une société où on est toujours à se courir après, à courir après les projets, à sauter d'un métro à un bus. Moi, je parle pour les urbains, mais même en campagne d'ailleurs. Donc cette idée de décélérer, de prendre le temps de faire, de prendre le temps de laisser les sons venir à nous ou d'aller vers les sons. Et aussi l'autre posture d'ailleurs pour rebondir aussi sur ce que disait Raphaël, c'est qu'il y a toujours des phases en mouvement, puisque on parle de balade, donc de marche, donc on va d'un endroit à un autre. Moi, je parle de pas, de parcours biosensible, parce que justement, cette idée de faire un parcours, de partir d'un point pour aller vers un autre, à la fois physiquement, géographiquement, mais aussi à la fois dans sa tête, de partir d'un état pour aller vers un autre état. Mais ces pas sont ponctués d'arrêts. C'est la notion de point d'ouïe sur laquelle on a beaucoup discuté, y compris avec des collègues canadiens, québécois, notamment lorsque j'avais travaillé à Victoriaville sur des promenades autour de l'écologie sonore. On parlait beaucoup de ces points d'ouïe, de ces sweet spots, parfois on les nomme aussi comme ça. Et ces moments où on fait un arrêt physique et un arrêt sur son, je dirais aussi, on fait un focus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'idée d'aller mixer les sons en marchant ou les chercher, mais on est dans le fait qu'on s'arrête sur un... Alors, dans certaines recherches, on appelait ça des points d'ouïe remarquables, parce qu'il y avait soit quelque chose qui se passait, un événement, un phénomène, enfin, pour parler un peu phénoménologie, ou alors une acoustique... remarquable, une réverbération, des échos, des choses qui étaient plus stables. Donc, c'est toujours ces postures entre mouvement et point d'ouïe fixe. Oui, j'aimerais réagir à l'idée lancée par Cathy Kennedy, la notion de la résistance. D'un point de vue pédagogique, ce qu'on cherche, j'avais des étudiants avec moi, c'est, je dirais, de les étonner, comme on vient de dire, qu'ils remarquent des choses qu'ils n'ont jamais remarquées ou qu'ils adoptent une attitude d'attention où ils remarquent vraiment des choses où leur écoute est vraiment approfondie, soit par la rencontre des lieux particuliers, effectivement, ou des sons particuliers, la ventilation au centre-ville, tout à coup, on passe à côté de sorties d'air extrêmement bruyantes qui normalement passent inaperçues. C'est comme si ce n'était pas là, mais on passe dedans et on est influencé. Je me souviens, un des lieux qui touchait beaucoup les étudiants, c'était la visite de la cathédrale Saint-Patrick au centre-ville de Montréal, qui est vraiment un lieu acoustiquement découplé du centre-ville et vraiment avec une réverbération très particulière. On pouvait laisser tomber une pièce de monnaie et on entendait très clairement le son revenir du plafond. Tout à coup, ils étaient... je pense qu'ils n'avaient jamais vécu l'écoute dans un tel lieu. Il faut toucher les gens puis en espérant que ça laisse des marques, des traces. Le cours que je donnais était en première année. En deuxième année, les étudiants devaient faire des montages documentaires ou des courts-métrages de fiction. Et je voyais assez clairement quel étudiant avait saisi et d'autres qui n'avait plus changé d'écoute, où il mettait simplement il meublait le film de musique populaire. Il n'y avait pas d'écoute du lieu, il n'y avait pas de silence, il y avait trop de musique. En tout cas, voilà un peu de mon expérience. Merci.
Mais à l'intérieur, donc vous indiquez que on emmène un groupe, en fait, parce que j'ai envie de revenir, moi, sur des... J'aime bien me visualiser ou me rendre compte, j'aimerais être, je sais pas, dans vos promenades, en tant que tel, mais on part avec vous, on vous suit. Est-ce que vous en donnez des indications? Est-ce que... C'est pour ça que je parlais, est-ce qu'il y a une écoute individuelle ou collective? Vous donnez des choses à entendre, mais comment... Comment elles sont vécues? Vous indiquez où on peut s'attendre. Est-ce que vous nous avez dit qu'on ne parlait pas, je pense. Vous avez mené au silence. Peut-être Arthur veut nous partager justement cette approche ou comment ça se passe. Merci. Bah ouais, carrément, je suis content que vous reveniez effectivement sur votre question du collectif parce que je pense que c'est hyper intéressant. Enfin, ça me fait plaisir de pouvoir en parler un petit peu. Moi, j'ai envie de dire que la situation collective ou individuelle n'est pas mieux ou moins bien. Enfin, on ne l'a pas dit, mais en tout cas, voilà, vraiment le souligner. Moi, j'essaye d'appréhender le fait collectif ou le fait individuel comme un dispositif, comme une situation qui peut amener du coup au développement de dispositifs et de situations bien particulières si c'est pris en compte et que ça peut permettre de faire des choses qui sont infaisables dans d'autres contextes. Et notamment, j'ai envie de prendre deux exemples. Un premier sur l'écoute collective, c'est une expérience qu'on a fait avec Juliette Vauclair à notre dernière balade à Paris, qui, si je ne me trompe pas, était inspirée par les démarches de Alain Michard et Mathias Poisson, qui était une écoute en duo, où une des personnes ferme les yeux et l'autre personne va ouvrir les yeux et être guide. Et le contact se fait entre ces deux personnes par soit la personne qui ferme les yeux prend l'autre par le bras, soit par la main. Et puis, on va entamer une marche à deux. Et je trouve qu'on arrive dans quelque chose par rapport aussi à ce que Raphaël disait tout à l'heure. Moi, je crois que la dimension pour la promenade sonore visuelle, elle est importante. Mais parce qu'on est à deux, ben on peut fermer les yeux et ça marche quand même. Et donc, finalement, l'un devient les yeux de l'autre. Ça ouvre aussi sur la question des publics, puisque ça permet aussi d'être très inclusif sur les publics qui vont nécessiter un accompagnement ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit exemple situé qui permet, nous on l'a fait avec une marche très très lente, on l'a fait pendant une demi-heure il me semble, hein. On a bien marché, on a pris le temps d'expérimenter ça, et c'était vraiment des moments de communication, communion, et de faire corps, et je pense que ce terme il est important, de faire corps avec l'autre, on devient presque un seul corps à deux, je dis bien presque, et j'aimerais bien revenir là-dessus après. Et voilà, donc ça c'est sur la dimension collective, et puis peut-être que la deuxième chose sur la dimension collective, c'est aussi bien voir qu'en fait, ensemble, on ne se voit pas tout le temps, mais on sait que les autres sont là. Et finalement, l'espacement entre les personnes, et on s'est interrogé là-dessus à Paris notamment aussi. On a pris des photos, on s'interroge un petit peu sur la structure des collectifs dans les balades sonores. Et on se rend compte qu'en fait, par exemple, la distance entre les gens quand ils marchent en balade sonore, selon l'exercice qui est fait, est assez régulière. Ils vont prendre une organisation assez régulière. Et ça va dépendre du dispositif. Des fois, les gens vont vraiment se rapprocher. Des fois, ils vont énormément s'éloigner. Et donc, en fait, on aménage des espaces d'écoute en tant que collectif. On va construire un corps plus ou moins poreux, plus ou moins épars. Et ça fait partie de la création de ce que je pense qu'on pourrait appeler une ambiance humaine. Et là, je vais faire le lien un petit peu avec les recherches du Cresson. Ça permet de parler de noms qui, je pense, sont importants vis-à-vis de nos questions. Et où je pense qu'en fait, en tant que collectif de corps, on aménage une ambiance par laquelle l'expérience d'écoute va être un petit peu différente. Je vois que Raphaël lève la main, donc je reviendrai si vous voulez après. On pourra revenir si ça vous dit sur la notion de corps. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser. Vas-y, prends la suite. Je levais la main pour répondre un tout petit peu par rapport à ce que tu disais, parce que c'est vrai que la notion de faire corps ensemble à deux, avec un qui se laisse porter par l'autre, on va dire. Je pense que la pratique doit être, je ne l'ai pas faite, mais je pense que ça doit être très agréable, à condition effectivement d'avoir confiance. Et c'est là que ça pose problème et que c'est la raison pour laquelle nous, on ne le fait pas, notamment avec les enfants. Déjà parce que les enfants en général n'ont pas forcément une grande confiance en leurs camarades, et notamment parce que le public qu'on a visé le plus ces dernières années, c'est plutôt un public justement qui manque de confiance, puisque c'est des publics avec des jeunes en difficulté. Dans la vie en général, qui sont dans des centres pour soit pour être scolarisés, soit parce qu'ils ont des problèmes
Voilà, de surpoids, donc avec toujours avec les relations avec les autres, etc. Donc, c'est des jeunes justement qui manquent de confiance, qui sont dans une situation où on cherche à reconstruire de la confiance. Donc, c'est beaucoup trop tôt pour eux, beaucoup trop difficile de rentrer dedans. En revanche, la balade sonore, en tant que justement être en groupe et se déplacer en groupe et donc former justement cette unité sans pour autant se marcher les uns sur les autres, enfin, sans pour autant avoir besoin justement d'une grande confiance. Cette sensation de former un groupe et donc d'être ensemble sans être forcé à être ensemble, justement stimule cette confiance de l'autre. Et en même temps, ça permet aussi un recentrement sur soi. On voit mieux qui on est à partir dans le groupe. Notre unité ressort mieux et pourtant elle est masquée par le groupe. Donc, on est aussi dans un confort du groupe. Voilà. Donc, c'est pour ça la balade sonore est un bon médium au départ, quelque chose de léger. Après, voilà, il faut trouver des moyens d'approfondir ces notions-là. Et là, pour nous, on va plutôt rentrer dans la création et dans l'écoute, etc. Donc, c'est autre chose. Mais dans la balade elle-même, après, oui, il peut y avoir des pratiques, chacun, selon le public, je pense qu'il faut pouvoir s'adapter aussi. Voilà. Vous voulez réagir? Oui, juste un retour d'expérience par rapport à les interactions et ce que j'estime pour ma balade à moi, enfin la balade que je fais comme une balade réussie, et puis les interactions du groupe. Et aussi le fait que c'était mentionné qu'il y a un enjeu par rapport au silence, et que c'est ça, si ça commence. Alors, moi j'ai rarement des enfants, mais c'est des gens qui, c'est des amis. Donc, ils profitent de la balade pour se rencontrer, et donc souvent ils discutent, etc., entre les différentes, enfin, pendant les 2 heures de marche. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'insiste sur le fait qu'il faut éviter de parler, etc., je voulais pas passer 2 heures à quasiment être l'arbitre ou être la police de celui qui dit qu'il faut pas parler, alors que c'est moi qui parle quasiment tout le temps le plus parce que je suis en train d'expliquer du contenu. Et donc je me suis un peu calmé sur le fait de dire qu'il fallait pas parler entre les moments entre les différents points d'écoute. Mais ce qui pour moi une balade alors je vous aussi encore une fois le contexte de ma balade c'est non il y a vraiment un enjeu puis ça je vous donne un contexte montréalais un peu c'est Montréal par exemple la façon dont le bruit il est géré ou l'environnement sonore est géré on est parce que il y a beaucoup de Français ou beaucoup de gens qui sont en France on est probablement entre 30 et 40 ans en retard sur l'Europe et sur la France. On a un règlement désuet des années 70. Les ressources allouées au bruit et à l'environnement sonore à la ville de Montréal, c'est l'équivalent d'une petite ville de 100 000 habitants en France. Donc, en gros, un début de la balade, c'est vraiment de conscientiser par rapport à ça. Et donc, nous, en fait, moi, le but de tout ça, c'est que le groupe, mon groupe, prenne conscience de ça. Et s'il y a des discussions autour de ça, et si les gens, ils interagissent, et si à la fin, ils se rendent compte qu'effectivement, voilà, une des choses que j'aime beaucoup créer, c'est, enfin, des sujets de discussion que j'aime beaucoup amener, c'est nos attentes par rapport à l'environnement sonore, notre droit de se plaindre du bruit, par exemple, qui est un gros problème ici, au Québec. Il y a vraiment un peu une honte d'avoir une attente élevée par rapport à l'environnement sonore en ville. Et vraiment, je prends beaucoup plus de plaisir et j'ai l'impression que j'ai vraiment fait bien mon travail si, à la fin, tout le monde discute, même quand on marche d'un point, des différents points. Là, vraiment, pour moi, c'est ça le plus important, que vraiment le rapport sensible au bruit, on l'a expérimenté un peu, puis après, ben, on discute. Donc, c'est peut-être une balade un peu à part des autres expériences, mais c'est vraiment, pour moi, là, c'est comme ça que j'évalue la qualité de la balade. Et puis, et puis un dernier commentaire par rapport à ce que nous on écoute dans ma balade. Moi, comme c'est très urbain, en fait, et comme Charles a mentionné, on a des super beaux équipements mécaniques à Montréal, avec des bruits magnifiques, différentes tonalités, etc. Donc nous, en fait, moi, je fais essentiellement qu'aller chercher les bruits. J'ai des sources de bruit très gênantes. Chaque année, j'espère qu'elle est là. Parce qu'on va pouvoir l'entendre, on va pouvoir commenter sur l'effet négatif. Et honnêtement, si un jour je devrais faire une installation sonore pour ma balade, c'est probablement parce que cette source-là, elle aura été réparée et que ça va un peu casser la dynamique de ma balade. Donc, je mettrai un speaker pour régénérer le bruit. Et en fait, je l'ai fait une fois où on est dans une ruelle. Je génère un bruit d'équipement mécanique. Et là, je le fais comprendre à tout le monde que le règlement, voilà, c'est ça le règlement sur le bruit. Donc, on a des trucs très bas niveau, en fait.
on parle plus vraiment de conception d'œuvre. Je fais juste expliquer que le règlement, il est pas du tout adapté. Et en fait, il n'y a que les gens qui ont eu un des problèmes de bruit qui le savent. Sinon, ben, c'est pas important. Voilà, c'était juste mon commentaire là-dessus. On voit que vous avez quand même des approches, il y a des objectifs différents en fait, dans vos approches, parce que là, il y a cette conscientisation de son environnement, mais aussi cette volonté de vouloir prévenir, j'ai envie de dire, de conscientiser. Et peut-être qu'il y aurait aussi un plaisir, j'ai envie de dire, dans ces promenades-là. Alors peut-être, il y avait Cathy qui avait levé la main, peut-être c'est dans ce sens-là, je ne sais pas. Cathy, vous voudriez réagir? Très brièvement, un autre truc que j'ai utilisé avec des jeunes, c'était de créer des chasses au trésor sonore. Et ça, c'est une façon de solliciter une très bonne écoute. Mm-hmm. Donc, j'évoquais quand même cet aspect de se laisser porter quelque part. Est-ce qu'on a cette volonté de pouvoir être dans la prévention de cette conscientisation? Mais l'idée de corps en mouvement qui a été évoquée tout à l'heure par Arthur, est-ce que ce corps justement qui avance dans ces différents univers que vous proposez, est-ce que finalement ce n'est pas une expérience aussi de vivre ensemble dans cet univers de son et de est-ce que c'est ça aussi que vous souhaitez poser également, au-delà de, j'ai envie de dire, de cette conscience du son, de pouvoir vivre ensemble le son, cette écoute du son, mais une écoute particulière? Je ne sais pas si certains veulent réagir. Est-ce qu'Arthur veut réagir sur cette question-là, sur cette notion même du corps écoutant? Oui, non. Moi, je reviendrai effectivement peut-être sur la question du corps écoutant tout à l'heure à travers d'autres questions. Moi, si je peux réagir, si je réagis en deux secondes, je pense que les autres ont peut-être plus de choses à dire vis-à-vis de votre question que moi là-dessus. Par contre, ce que je pense qui est important, c'est que notamment, je vais rebondir avec le phénomène, par exemple, du groupe et de la lenteur qu'on expérimentait assez bien avec Gilles à Lyon. C'est que le fait d'être un gros groupe et d'être très lent en ville, c'est par exemple quelque chose qui pose vraiment question aux autres patients. Et donc, je ne sais pas tellement pour moi si, vis-à-vis de ça, je ne sais pas si j'ai envie de répondre que la balade sonore est une manière d'apprendre à vivre ensemble, etc. Par contre, c'est une manière aussi de conscientiser quel est l'effet de l'espace social sur ce qu'on pense être une décision qui vient de nous. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que c'est moi qui décide, par exemple, de marcher à telle vitesse dans la rue. Je pense que ça invite à se poser la question, pourquoi est-ce qu'en vrai, on marche vite dans la rue? Je ne suis pas sûr que ce soit un choix. Et quand on expérimente tout ça et qu'on voit à quel point, non seulement nous, ça peut nous mettre mal à l'aise de marcher, en fait, très lentement dans la rue, et comment est-ce que ça met mal à l'aise, ou en tout cas, ça perturbe les gens autour de nous de voir un groupe qui marche étonnamment, ça pose une question politique sur les usages des espaces, sur comment est-ce qu'on est dedans. Donc ça pose une question du vivre ensemble, mais voilà, j'y réponds de manière un petit peu détournée. Pour moi, c'est pas forcément une sur comment on aménage l'espace sonore ensemble. Je pense que c'est, voilà, je pense qu'à travers ce que j'ai dit, vous comprendrez sûrement ce que j'ai voulu dire. Est-ce que Gilles voudrait réagir? Oui, en fait, il y a effectivement plusieurs façons de voir les choses ou d'entendre les choses, en l'occurrence ici. Ce qu'Arthur dit, ce vivre ensemble, c'est effectivement aussi pour moi quelque chose de très important. Moi, je me réfère aussi à Nicolas Bruyot quand il parle d'esthétique relationnelle, où on construit quelque chose d'ensemble, même si c'est complètement immatériel. Une écoute, c'est immatériel. Une balade, il va en rester peut-être des traces de performance multimédia, mais on construit l'immatériel. Et ce fait de vivre et de l'espace public ensemble est important. Et tout à l'heure aussi, on a parlé de la notion de plaisir, qu'on n'aborde finalement pas tant que ça. Moi, il y a quelque chose dont j'ai essayé de me débarrasser volontairement, c'est de partir sur la balade sonore avec une visée brutiste, avec l'idée de l'écologie qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, donc il faut qu'on sache pourquoi.
Ça, c'était, je prends un peu le contre-pied de Murray Schafer, là, quelque part, de l'Orphée, du Hi-Fi, en me disant que je vais chercher d'emblée ce que j'appellerais plutôt des aménités paysagères, c'est-à-dire des choses où on puisse se faire plaisir à écouter, où on puisse être surpris. Tout à l'heure, on disait être décalé, être un peu en dehors, sachant que la notion de mal-être ou de dysfonctionnement, elle va arriver toujours à un moment. Je sais pertinemment que quand on va parler à la fin, quand on va débriefer cette question de comment on s'entend avec sa ville dans toute la polyphonie du terme, elle va, surtout en milieu urbain, d'ailleurs, pas que d'ailleurs, mais elle va arriver. Donc je prends le parti d'aller chercher du plaisir aussi pour après ouvrir le débat, mais ne pas, j'ai pas envie d'enfermer la balade sonore dans un mur de bruit ou un mur du son de bruit. Voilà, c'est un point de vue ou un point de oui. Raphaël, vous les ravis? Oui, du coup, je rebondirais bien là-dessus par rapport aux enfants et au fait que non seulement on dirige assez peu l'écoute en général, mais on dirige surtout peu aussi les décisions. De fait, on ne parle pas d'écologie particulièrement. On l'évoque effectivement probablement au début, déjà parce que ça marche bien. C'est bien de penser que cette pratique a une démarche écologique, ce qui, à mon avis, est vrai. Mais faut pas, j'aime pas la vendre comme telle, en tout cas. Et de fait, le but n'est pas de dire qu'un son est mieux qu'un autre. Et notamment, au début, comme nous, on introduit, du coup, je précise un petit peu plus notre pratique auprès des enfants. L'idée pour nous, c'est de faire des balades sonores avec des enregistreurs. Alors, en général, on commence avec une balade sans enregistreur, mais après, l'idée, c'est de leur donner des enregistreurs numériques avec des casques. Et donc, ils vont enregistrer les sons. Ensuite, on va faire un retour sur la pratique. Et ensuite, chaque participant, chaque enfant, fait une composition sur ordinateur. On leur enseigne quelques bases voilà, pour pouvoir faire un mixage et ils font leur petite composition. Évidemment, le but, c'est pas de créer des œuvres d'art, mais c'est qu'ils aient une meilleure conscience du rapport avec les sons qu'ils ont enregistrés. Et c'est là qu'il va y avoir quelques comportements qui vont nous orienter sur ce qu'ils vont apprécier ou pas apprécier. Et la plupart du temps, les enfants aujourd'hui ont quand même l'habitude d'écouter des musiques qui sont très rythmées, avec des sons assez forts. Donc forcément, ils vont plutôt s'orienter vers ce type de son dans un premier temps. Ils vont, c'est, bah, pas tous les enfants, bien sûr, ça dépend. Enfin, il y a plein d'autres facteurs, mais de fait, leur intérêt va souvent se porter vers des sons comme la voiture, etc. Ils vont pas avoir une notion forcément négative de ces sons-là. Et ensuite, ils vont aussi avoir une démarche de les modifier, de les dénaturer complètement. Parce que la musique, pour eux, est toujours associée à cette notion-là d'avoir quelque chose de rythmique et de ne pas avoir des sons de la ville, quoi. Bon, ça, c'est une première chose. Et ensuite, l'idée pour nous, c'est de reproduire ce phénomène plusieurs fois. On refait une autre balade, mais on refait des balades, au moins 3, 4. Plus il y en a, mieux ce sera. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des pratiques, c'est là que se développe une compréhension à la fois de leur implication dans cet environnement, à la fois des relations des sons dans l'environnement. Et c'est là que se posent certaines questions, comme le fait qu'on entende peu de sons de la nature, que voilà, c'est des questions que Murray Schafer a pu poser. Mais le but n'est pas, voilà, de dire c'est bien, c'est mal, simplement de prendre conscience, on va dire, voilà, de ces implications, et de prendre conscience seul. C'est ça notre idée, en fait. C'est surtout aussi de ne pas arriver avec nos grands sabots, de dire nous on sait, et vous devez écouter comme ça. Parce que là, les enfants se braquent automatiquement. Avec un adulte, ça peut l'aider à comprendre les choses, peut-être. Voilà, il peut effectivement écouter et donc se poser certaines questions. Mais l'enfant, non. L'enfant, il va se braquer. Et voilà. Donc, il faut qu'on laisse la porte ouverte. Certains vont aller vers ça, certains non. Certains vont entendre d'autres choses, peut-être que nous, voilà, on n'a pas entendu. Donc, l'idée, c'est juste de laisser des portes ouvertes et de stimuler des démarches d'écoute
Et voilà, donc comme je disais, voilà, très l'idée, c'est pas d'affirmer voilà, un bon son, un mauvais son, de laisser les portes ouvertes, quoi. Alors, là, en fait, Raphaël vous indiquez quelque part, ça m'ouvre la porte vers un élément. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait des fois des discussions après promenade. Là, vous utilisez l'enregistrement. Moi, je questionne, c'est quoi en fait la trace qui reste après ces promenades sonores? Parce qu'on est quand même sur un temps d'écoute, vous évoquiez une, des fois une, 2 heures parfois, même de promenade sonore pour certains. Il y a le moment où ça se vit et avec tout ce... Le vécu collectif aussi, mais on sait que le son, ben, il s'arrête, il se vit dans le présent. Donc comment on fait la part entre ce qui s'est vécu dans le moment présent et puis le a posteriori qui est finalement peut-être ce qu'on a imaginé, il nous reste de ce qu'on a imaginé ou comment on y place peut-être des images ou des concepts sur ce qu'on a entendu. Je questionne justement sur cette notion de la trace. Est-ce que ça vous arrive de faire noter en cours de route ou là on a l'aspect de l'enregistrement qui finalement est un peu un miroir de ce qu'on a entendu et encore un miroir seulement par ce que le micro a fait et peut-être qui est différent de nos oreilles. Donc, très là, différent. Comment on vient je trouvais intéressant aussi ce que tout à l'heure Arthur signifiait de faire écouter avec des casques. Donc, ce qu'on a entendu à ce moment-là, c'est une proximité. Donc le rapport à l'espace aussi dans ce qui est amené dans la mémoire, est-ce qu'on a entendu des choses très proches ou des choses plus loin? Qu'en reste-t-il en fait de cette mémoire et comment elle se manifeste? Arthur, vous voulez réagir? Je me permets de réagir, de prendre toute la parole un peu vite, parce que je serais désolé. Je viens de recevoir une annonce de l'école où je suis, qui, en raison des grèves, ferme dans 20 minutes. Donc, je vais devoir vous quitter trop tôt du fait des manifestations. Donc, je suis navré. Mais du coup, c'est un petit peu. Voilà, c'est la situation. Donc voilà. Par rapport à ce que vous dites, c'est vachement chouette et je réagis parce que ça m'a beaucoup habité, moi, au début de ma pratique, cette question de la trace, peut-être du fait de ma formation scientifique, qui, du coup, fait que j'ai été surtout formé à l'acquisition de données au départ et au traitement de données. Et du coup, c'était vraiment, vraiment quelque chose de central. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec la question de la synesthésie, de comment est-ce que le dessin, la couleur, d'autres médias, en fait, sont capables, du coup, de tenir trace d'une expérience et sont peut-être mieux que d'autres ou pas. Et alors, moi, j'avais commencé au départ à faire des dessins, à essayer de trouver des modes de représentation de l'espace sonore, puis à varier les supports. Au départ, j'étais toujours sur du papier blanc, puis après, j'ai commencé à varier les formats, à faire des choses grande échelle, à faire des choses avec les mains. Ce qui m'a amené, voilà, avec toute une ligne autour de comment est-ce que le corps, dans sa mise en mouvement, en fait, on va garder la trace de, on va dire, d'une métabolisation, d'une écoute qui n'est pas nécessairement celle de la tête. Donc voilà, on pourra poursuivre là-dessus. Et on avait invité d'ailleurs David Bartolomeo, qui est un artiste sonore, entre autres, et graphiste au Forum des paysages sonores de l'association cette année, qui a une pratique comme ça de trace. À se colorer, etc., par le corps qui écoute, qui transporte. Et puis, et sinon, pour donner un autre penchant de choses qu'on a explorées, j'avais aussi exploré des choses avec la poésie, comment est-ce que les mots, mais en décalant en fait leur usage, peuvent aussi porter trace d'autres choses que, entre guillemets, une description factuelle du paysage sonore, mais garder trace surtout de l'expérience qui en est ressortie. Et puis, une chose qu'on a expérimenté il n'y a pas très longtemps, en juin dernier, finalement, j'ai expérimenté lors de 3-4 balades sonores et que j'ai fait pas mal avec des étudiants, c'était inspiré des situationnistes. C'était l'idée de finir la balade sonore, je donnais une corde à chacun et à chacune, et l'idée était, avec leur corde, de venir tracer, selon eux, leur balade. Et avec cette corde, ils faisaient des ronds, etc. Et en fait, on faisait tout ça en même temps, ce qui faisait que des fois, ils mettaient les cordes les unes sur les autres, et puis on traçait un mouvement à la fois individuel et collectif qui avait du sens et qui était porteur de quelque chose. Donc voilà, c'était pour partager aussi cette notion de trace qui est un petit peu différente, peut-être.
Et puis, dernier élément, à la fin, je leur demandais de sélectionner deux souvenirs de cette balade et de les placer sur leur corde. Et donc, sous la forme qu'ils voulaient, ça pouvait être un dessin, ça pouvait être un mot, ça pouvait être un objet. Et une personne allait placer ces petits mots. Et ça revient sur aussi le concept de contrainte qu'on a évoqué tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup dans la contrainte pour être capable d'exprimer des choses, et que ce choix qui était fait de deux souvenirs, moi, j'ai vu qu'il a permis aux gens d'approfondir très fortement et de peut-être, enfin, moi, je crois, peut-être une fois, hein, mais peut-être de marquer plus fortement encore le souvenir de cette balade, parce que comme il y a un choix, il y a un effort qui a été fait, je crois qu'il y a quelque chose de synthétique qui en ressort, ou peut-être une poésie. Donc voilà, peut-être ces gestes, ces différents gestes plastiques à la fin d'une balade, ces choix, ces contraintes, permettent de garder des traces et d'inspirer peut-être les pratiques futures. Voilà, c'était pour partager ça. Dans le cas des étudiants, un autre exercice qu'ils avaient à faire, à part la balade sonore, c'était de préparer de petits montages radiophoniques sur une question reliée au paysage sonore. Donc, il fallait qu'ils réfléchissent et qu'ils choisissent un thème et qu'ils fassent des enregistrements et qu'ils en rendent compte dans un montage, un petit montage de 5, 6, 10, parfois 10 minutes en forme radiophonique. En fait, on les mettait en ligne à partir de 1996. C'était peut-être les premiers balados à Montréal, et ça portait sur le thème du... il y avait toutes sortes de questions, toutes sortes de sujets très, très, très diversifiés. L'impression des gens qui habitaient à côté de l'aéroport d'Orval, aussi des éléments de plaisir sonore aussi. Il ne faut pas penser que Murray Schafer s'intéressait uniquement à combattre le mauvais son. C'était une de ses préoccupations, mais il voulait que l'être humain devienne plus conscient. Mais j'aimerais revenir un peu encore une fois sur ce thème de la résistance que Cathy Kennedy a nommé. Notre société, il y a un biais visuel très, très marqué dans notre société, évidemment avec tous les écrans qui nous entourent. Il y a des cultures... je pense que la culture japonaise donne plus d'importance et de place au sonore. Il y a vraiment un équilibre entre les sens qui est culturel et qu'il faut peut-être conscientiser et Romain dit que nous sommes en retard dans la réglementation sonore à Montréal. Je pense que c'est vraiment le cas. Ça vient de notre culture, en fait. Je pense qu'à partir des années 50, les Québécois sont tombés en amour avec l'automobile. Et l'automobile domine la ville, et là, on commence à essayer d'en revenir péniblement. Le bruit de l'automobile est omniprésente. Évidemment, les autos électriques deviennent de moins en moins bruyants. Murray Schafer dit qu'à un moment donné, la compagnie Mercedes-Benz l'avait approché pour produire un son pour les autos Mercedes électriques, pour que les gens soit pas renversé par une auto qu'il n'avait pas du tout entendu, mais il avait refusé de le faire, mais je pense que par la suite on le fait maintenant. Mais comment dépasser ce biais, cette domination du visuel dans notre société? C'est très fort. Les jeunes qui se promènent
dans la rue en mettant un Walkman ou en écoutant de la musique pendant qu'ils se promènent, mais ils se font leur propre cinéma. Ils ont besoin de l'image de la ville, mais ils ont besoin d'un accompagnement sonore musical parce qu'ils sont habitués à... C'est vraiment des éléments culturels, c'est des cultures. On a une culture sonore marquée qu'il faut conscientiser et défaire un peu quand on va la modifier, mais les gens vont remarquer que la ville est bruyante et vont chercher autre chose. Il y a Anastasia qui voulait réagir aussi. Oui, je voulais réagir juste pour dire que je suis d'accord avec Charles par rapport à la culture plus visuelle qui domine pour l'instant beaucoup de pays. Mais moi, je voulais juste dire quelque chose sur les traces. C'est que la trace principale reste pour notre pratique de balade, création sonore. C'est les compositions que les enfants font après l'écoute, après la pratique. Mais aussi, on a une pratique des... Aussi, on a quand même... On implique avec les plus petits, parce qu'on a fait des pratiques avec des enfants des âges différents. Donc, on a aussi utilisé les dessins. Comme Arthur a aussi évoqué la notion du dessin, de synesthésie, c'est très, très présent chez les enfants. Une trace très importante, et je pense que pour beaucoup de gens qui pratiquent ici les balades, c'est la discussion, partage oralement, tout ce qu'on a vécu collectivement. Mais dans notre cas, dans notre pratique, on utilise aussi les entretiens individuels avec les enfants plus âgés, surtout avec les petits. C'est aussi dans le côté un peu recherche, de faire, mais pas que. C'est une sorte d'auto-formation. C'est une chose qui nous permet d'apprendre le vécu des gens, mais aussi de leur faire apprendre ce qu'ils ont vécu. Et cette méthode, c'est les entretiens d'explicitation. Les entretiens d'explicitation de Pierre Vermersch qui touche la question de mémoire non intentionnelle ou mémoire concrète à travers le langage spontané et dont l'intérêt est la verbalisation de l'expérience vécue. C'est juste pour finir sur plusieurs traces possibles que je vais vous ajouter. Romain veut rebondir sur ça. Si je peux, moi, par rapport à la trace du type de balade que je fais, je pense que je vois la balade que j'organise quasiment comme un service aux citoyens. D'ailleurs, j'ai commencé la balade à l'époque où j'étais un fonctionnaire de la ville de Montréal. J'étais le technicien contre du bruit qui répondait aux plaintes et très conscient du manque. En fait, quand je disais qu'on est en retard de 30-40 ans, c'est même pas juste le règlement en tant que tel, le document, mais vraiment tout le contexte de conscientisation effectivement du grand public, mais surtout conscientisation des décideurs, de la façon dont on présente les enjeux bruit, dont on s'en occupe, etc. Et vraiment, c'est ça. Donc, c'est ce service-là aux citoyens. Un service aux citoyens, ça peut être un document, des informations accessibles sur Internet. En gros, là, c'est la version physique de découvrir le règlement sur le bruit, découvrir comment la ville gère l'environnement sonore, mais en vrai, là, en l'expérimentant. Et je ne sais pas pour vous, comment vous attirez vos participants. Mais moi, par exemple, nous, c'est comme c'est organisé par un centre culturel, donc c'est grand public. Et en fait, la moitié des gens qui viennent parce qu'ils sont intéressés de façon générale par cet enjeu-là. Et l'autre moitié, c'est des gens qui ont des problèmes de bruit. Et donc, je comprends qu'il y a des balades où on ne veut pas avoir... J'ai beaucoup le terme, là, je pense... Gilles, vous mentionnez l'approche brutiste. Moi, je pense que, clairement, je pense
ça doit être ça l'approche de ma balade, hein, ça doit être très bruitiste. Mais en fait, j'ai des gens qui viennent et qui ont des problèmes de bruit, qui n'ont aucun retour de la ville parce qu'il n'y a pas, comme je mentionnais, il n'y a pas vraiment de suivi, etc. Et en fait, je suis quasiment la seule ressource qu'ils peuvent avoir à part embaucher quelqu'un. En fait, ils ne peuvent pas parce que ça coûte vraiment trop cher d'embaucher un expert en acoustique. Et donc, moi, ma trace, c'est d'envoyer des courriels, le règlement sur le bruit qui est introuvable sur le site de la ville, de donner mes recommandations d'anciens techniciens en contrôle de bruit, de comment ils peuvent s'en sortir avec leur problème de bruit. Donc, vous devriez faire ça, vous devriez appeler votre élu. Enfin, des choses très concrètes, en fait. Et donc, c'est marrant. Je suis conscient que je suis en complet décalage avec vos traces à vous, là, de vos expériences. Mais moi, en gros, concrètement, ma trace, c'est ça, c'est d'envoyer des références d'articles que j'ai mentionnés pendant ma balade, d'envoyer le document PDF du règlement sur le bruit. Et puis, d'expliquer soit des solutions techniques pratiques ou des solutions plutôt stratégiques de comment faire pour que, y a moins de problèmes de bruit au chantier à côté des gens qui viennent assister à la balade. Donc voilà, je vais juste commenter là-dessus. C'est une autre manière de l'envisager. Pourquoi pas, je trouve que c'est très bien que les choses cohabitent aussi les unes à côté des autres parce qu'elles sont importantes dans les deux cas. Sur cette notion de trace, j'aimerais revenir quand même sur cet aspect de cette durée et comment vous avez indiqué comment il y a finalement la résultante de ce qui s'est vécu et qui s'exprime, donc c'est une expression qui est laissée. Mais j'aimerais savoir, vous qui menez les promenades, vous préparez votre promenade certainement en se disant il y a peut-être j'ai envie de faire passer par tel chemin, et peut-être vous avez un désir de faire entendre certaines choses. Comment ça se passe pour vous justement au moment de cette rétroaction entre ce que vous avez peut-être vous imaginé qu'on a entendu et ce qui finalement a peut-être pas été entendu ou pas entendu de la même façon? Comment ça se passe pour vous justement dans ce moment de préparation et puis cette moment de rétroaction entre ce que vous avez pu, j'ai presque envie de dire, votre fantasme de ce que vous avez envie de faire écouter et puis la réalité de pluriel de l'écoute qui s'est faite? Est-ce que Gilles ou quelqu'un voudrait... C'est mon micro, oui. Ah, c'est bizarre, je m'appelle Emmanuel maintenant, c'est étrange. C'est bon, les bizarreries du système. Alors, peut-être je voudrais dire deux mots sur la trace aussi. Il y a une expérience que je fais souvent, très souvent je rencontre des anciens étudiants, mais que je n'ai pas vus depuis 20 ans, pour les plus grands qui me reconnaissent que je ne reconnais pas, et qui me disent à chaque fois quasiment, ah mais je me souviens avec vous, on a fait une balade sonore. Et donc je me suis dit qu'en fait une des principales traces c'était quand même la mémoire. Et c'était la mémoire de cette expérience. Si sur 40 ou 50 heures de workshop, ils ne se souviennent que de la balade sonore, eh ben tant mieux. S'ils ont oublié finalement toutes les données techniques, théoriques, historiques qu'on a pu leur dire. Donc, c'est cette trace de la mémoire fait que quand on repasse dans un lieu qu'on a vécu avec quelqu'un, on n'entend pas pareil. Et ça, c'est une trace forte. C'est ce tout petit décalage qui fait que voilà, une fois qu'on a vécu l'expérience physiquement, on est un peu marqué. Alors, ce n'est pas une grande révolution, ce n'est pas de la thérapie, mais c'est quand même quelque chose qui a bougé, un peu des lignes. L'autre trace que j'aime beaucoup, c'est le mot, parce que je travaille beaucoup sur le carnet de notes et de retranscrire la promenade et de dire ce que les micros ne savent pas dire finalement. Parce qu'un micro, c'est pas le micro, il a pas notre sensibilité, il a pas notre vécu, et avec le mot, je trouve que parfois c'est plus facile d'emmener des traces d'affect, en tout cas, chose qui est très limitée avec le micro. Voilà. Et alors, sinon, pour rebondir pendant que j'ai le micro sur cette idée de entre ce que nous on veut et ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, très souvent, enfin, pour ma part, moi je fais des repérages en me disant qu'est-ce que je veux faire écouter de ce territoire. Si je suis
Si je suis dans une montagne, dans une forêt, si je travaille pour un PLU, un plan local d'urbanisme, qu'est-ce que je vais en faire entendre aux gens? Et donc, quel point un peu saillant, un peu caractéristique, je dirais, qui se comprennent en tout cas assez facilement à l'oreille. Je vais emmener voir, je vais emmener écouter, ça c'est un lapsus, je vais emmener écouter pour voir les lieux. Et il se trouve que le son est très capricieux. Parce qu'il est pas. Si j'emmène, si on, si j'étais guide des monuments historiques, je saurais qu'à part séisme, le monument historique qui m'attendrait, le son, ce n'est pas toujours le cas. Les ambiances peuvent rester. Les sources sonores, un jour, il y a une superbe pluie et je passe souvent en vent, je me suis dit, ça va être génial. Le lendemain, il fait très sec et il n'y a plus une goutte d'eau. Donc voilà, c'est comme ça. Et on navigue toujours entre le parcours où on a des repères, enfin pour moi, et l'improvisation de ce qui va se passer. C'est comme une partition musicale. On aurait un canevas écrit, et puis on a une part d'improvisation avec des cadences, avec des choses en fonction de ce qui va se passer, parce qu'il y a un musicien de rue qui sera là, qui n'était pas là la veille, parce que, il y a un grand vent qu'on n'avait pas prévu et qui va complètement chambouler le paysage. Donc on joue avec ces aléas. C'est entre notre désir à nous et puis ce que le paysage nous, l'environnement, nous propose. Vous êtes prêt à accueillir vraiment la surprise sonore au fur et Ah à ben, mesure. non seulement prêt, mais je l'espère, la surprise sonore. J'espère qu'il y a quelque chose qui va me déjouer mes plans, en fait. Déjouer musicalement presque. Raphaël, vous voulez réagir? Non, pas Raphaël. Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gilles, bien sûr. Et pour pousser un petit peu par rapport à des expériences personnelles, effectivement, je pense que on réfléchit la balade peut-être dans une démarche entre guillemets artistique, en envisageant effectivement quel type de son on peut entendre, etc. Mais c'est pas ce qu'on cherche à transmettre forcément. Là, je pense effectivement que la finalité la plus intéressante, c'est ce que disait Gilles, ce qu'on va retrouver probablement, c'est l'atmosphère. Même si les sons changent, l'atmosphère reste à peu près. Et c'est cette sensation que va produire la balade qui, elle, reste. Et parfois peut même être, en tout cas pour un petit cas personnel, après le Covid, ça faisait quand même un petit temps que je n'avais pas fait de balade. Une petite rupture pendant un an et demi. Et j'étais quelque part dans une ville pour une toute autre raison. J'avais une pause déjeuner et j'ai senti un besoin de faire une balade seule. Je sentais que c'était quelque chose qui me manquait. Et donc j'ai effectué cette balade. Et donc bah, en faisant des choses qu'on ne fait pas, c'est-à-dire marcher lentement. Déambuler un peu en écoutant des sons, chercher des spécificités acoustiques, etc. Alors je pourrais parler des sons que j'ai entendus, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui était important pour moi, c'était de retrouver cette sensation de calme, de se poser et d'aller à la recherche d'une écoute globale. Et donc c'est ça en fait qui, à mon avis, est le plus important, c'est de stimuler à l'écoute globale. Enfin, le son en lui-même, un son, n'est pas très intéressant. C'est pas, en tout cas, pour la balade sonore, c'est pas très intéressant, je pense. Et donc, comme je disais, c'est les interactions entre les sons, mais du coup, ces interactions créent une atmosphère. Et c'est cette atmosphère qu'on va chercher à garder dans la mémoire, voilà, voilà, comme intérêt, quoi, sur le long terme. Anastasia, merci. Merci Gilles, merci Raphaël. Je suis d'accord avec tout à fait avec les deux, mais pour moi, je veux même rebondir et dire que pour moi, cette question d'intention, en fait, c'est question de surprise, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. En fait, pour moi, c'est le but de cette pratique, c'est que c'est comme l'environnement, on communique avec l'environnement. C'est pas que on entend quelque chose dans l'environnement, c'est notre intention de faire quelque chose. C'est comme l'environnement,
parle avec nous et nous, on parle avec lui. Donc, c'est vraiment une communication tout à fait comme la communication entre les gens, ou je ne sais pas. Donc, c'est quelque chose qui fait partie, de, pour moi, de le sens de cette pratique, en tout cas pour notre pratique fait avec les enfants. Et aussi, justement, moi, je pense que dans la pratique qu'on fait, c'est la pratique de pédagogie d'attention. Donc, c'est vraiment pas d'intention, mais d'attention, de faire place à l'environnement, de lui donner l'espace et les places pour nous parler, pour dire quelque chose qu'on n'a forcément pas l'habitude d'attendre ou qu'on n'a pas forcément toujours prêt à attendre et écouter. Mais donc, juste donner l'espace à quelque chose, c'est déjà quelque chose qui est transformatif et qui fait partie de notre pratique. Comme on voit avec Raphaël et d'autres personnes avec qui on a réalisé cette pratique avec les enfants. Merci. On a une question du public, donc je vais vous la livrer, qui est: est-ce que notre manière d'habiter le paysage sonore ne discrimine pas certains êtres vivants, puisque nombreuses sont les études aujourd'hui qui prouvent l'influence de la pollution sonore ou de certains bruits sur la santé des oiseaux, des mammifères marins ou encore sur nous-mêmes? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir à cette question? C'est sûr qu'ici, au Québec, on a vraiment cette conscience que c'est un gros problème pour les baleines qui dans le fleuve Saint-Laurent, puisque les baleines étant dans un système d'écolocalisation, il y a une telle pollution sonore dans le fleuve en fait que maintenant elles n'arrivent plus à remonter en fait, et que on en retrouve tous les ans beaucoup qui descendent le fleuve, mais qui n'ont plus cette possibilité là. Donc voilà aussi cette quelqu'un veut sûr. Oui, juste par rapport à la pratique, comme on disait, je pense que c'est simplement de stimuler à une écoute, à une attention. Mais effectivement, ça s'oppose souvent à une démarche commerciale, où effectivement, l'idée, c'est plutôt de chercher la production, chercher une économie. Et moi, j'ai été choqué plusieurs fois ces derniers temps en allant dans certaines boutiques ou même sur Internet, de voir qu'il y a une économie du travail du silence personnel. Déjà, bon, les casques, comment tout le monde se mettait dans son environnement sonore en mettant le Walkman ou les choses comme ça, même enfin, le téléphone, etc. Mais de plus en plus, je vois des bouchons avec de la musique diffusée pour pouvoir s'endormir, des casques, là, je vois une espèce de bandeau qui fait casque, qui permet de créer une atmosphère sonore pour pouvoir s'endormir. En fait, l'idée, c'est chacun son petit univers sonore et de s'éloigner de plus en plus d'une écoute de ce qui nous entoure. Et il y a une vraie industrie qui se développe là-dessus, donc en opposition absolue. Après, ça peut être nécessaire, hein, dans certains cas, bien sûr, on en a toujours besoin, malheureusement, parce que justement, on est soumis souvent à des pressions sonores qu'on ne peut pas combattre, hein. On le voyait tout à l'heure, hein. Malheureusement, on n'a pas les moyens de se payer un acousticien pour faire des tests, c'est très compliqué, etc. etc. Et on n'a pas forcément conscience non plus de la législation. Et donc voilà, malheureusement, on est plutôt dans une démarche de se recentrer sur soi que de créer une ouverture. Et si on était plus dans l'ouverture, ben effectivement, on ferait plus attention au son qu'on produit pour les baleines, on ferait plus attention au son qu'on produit vis-à-vis des oiseaux, et peut-être qu'on chercherait à diminuer un peu ces sons, pas forcément les supprimer, parce que ça voudrait dire changer totalement notre mode de mode de vie, ce qui à l'heure actuelle est un peu compliqué. Mais déjà, c'est comme pour le tri sélectif, on va dire, hein. C'est, si chacun fait un petit effort supplémentaire, petit à petit, les choses peuvent bouger. Romain ? Dans ce contexte-là, moi, quelque chose que j'adorerais faire, mais ce n'est pas vraiment vendeur, c'est de faire des balades sonores dans les endroits, les pires endroits de Montréal, par exemple, vraiment près des échangeurs, les autos. Et puis, moi, c'est des endroits qu'on expérimente quand on fait des études, parce que en tant qu'acousticien, mais en fait, il n'y a jamais très peu de... C'est seulement les populations qui sont souvent les plus défavorisées qui y vivent, mais en fait, faire vraiment un voyage, amener des décideurs
le grand public, mais encore mieux des décideurs, des élus, des fonctionnaires, dans les pires endroits d'une ville. Et encore une fois, c'est très difficile à vendre. C'est pour ça que ça serait intéressant de l'inclure dans les processus de, quasiment réglementaires. Quand on fait un nouvel aménagement, il faut faire une balade sonore. C'est quasiment pour moi, ça serait la meilleure façon de faire comprendre à beaucoup de gens qu'est-ce que ça veut dire 65 décibels ou 60 décibels A pendant 24 heures ou qu'est-ce que ça veut dire les bruits, les vibrations qui se transmettent parce que la chaussée, elle a des nids de poules partout et qu'en gros, il y a des gens qui vivent vraiment très mal une mauvaise chaussée ou qui vivent très mal des activités industrielles à proximité. La balade sonore, c'est un des formats qui serait le... Alors, encore une fois, la balade sonore... version bruitiste, version artistique, et encore peut-être version artistique aussi. Moi, c'est peut-être mon défaut, et je pense que c'est ça aussi que je trouve très intéressant dans la discussion, c'est comment on peut peut-être pas être trop... c'est ça. En tout cas, concevoir une forme de balade sonore qui est aussi utilisée de façon très politique, très activiste quasiment. Ça serait... Bah voilà, une des ambitions et ce que j'espère, c'est que ça ne devienne pas juste des gens qui sont activistes ou qui poussent pour la conscientisation de l'environnement sonore pour différentes raisons, mais qui c'est juste quelque chose qui devient une évidence en fait. Oui, si vous réaménagez un quartier entier, où il va y avoir des changements de circulation, des passages de poids lourds, vous allez complètement changer un quartier, il faut y aller. Et je pense que les urbanistes, dans tout ce qui est pas sonore, en dehors du sonore, il y a des marches. Je veux dire, un urbaniste qui travaille sur un quartier, il va expérimenter, il va aller sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'au niveau du bruit, c'est un de mes lapsus, au niveau de l'environnement sonore, on considère quasiment juste ça comme du bruit, comme quelque chose à cocher parmi plusieurs réglementations. Il y a Daniel Steele, puis là je suis content de le mentionner parce que c'est un chercheur à l'équipe de recherche qui s'appelle Ville Sonore à l'Université McGill, qui a d'ailleurs fait son doctorat sur la perception des urbanistes par rapport à l'environnement sonore. Et c'est ça qu'il a montré, c'est que pour beaucoup d'urbanistes, en fait, l'environnement sonore, ça fait partie d'une liste et c'est un truc à coucher de est-ce que oui ou non on dépasse la réglementation. Et à aucun moment ils ont été éduqués dans la formation sur qu'est-ce que ça veut dire la réglementation, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce qu'elle fait du sens. Donc voilà. Donc je me suis un peu perdu, je ne sais plus, je ne sais pas comment je vais faire pour retomber sur mes pieds, mais je pense que vous avez compris le... Bon, une anecdote peut-être par rapport à ça. J'ai amené les étudiants dans le pire lieu de la balade sonore. Heureusement, ça n'existe plus, mais malheureusement pour moi, c'était une très belle illustration de mauvais environnement. Anciennement, le Palais des congrès de Montréal était sur des pilotis par-dessus l'autoroute Ville-Marie. Les autos passaient en dessous, puis il y avait un passage piétonnier par-dessus tout ça, en dessous du plancher du Palais des congrès. Donc, on entendait le bruit de l'autoroute qui répercutait sur le plafond du bus et qui baignait les piétons dans un vacarme absolument infernal. Et c'était effectivement une erreur d'urbanisme ou d'architecture impensable de créer un tel lieu. Et heureusement, avec la transformation du Palais des congrès, on a éliminé ce lieu-là, mais... Et si même, je peux juste rajouter... Je vais finir sur... Je vais finir sur ce que je veux dire. Une autre chose qui manquerait, parce que là, on parle d'être à l'extérieur, mais dans les plaintes de bruit, souvent, les gens, et encore plus au Canada, les gens, ils sont souvent à l'intérieur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très difficile de faire prendre conscience à des décideurs qui vivent rarement dans des maisons à étages avec d'autres gens. Et puis, il y a aussi l'aspect personnel de notre relation au bruit, mais en fait, c'est seulement quand vous allez chez quelqu'un qui se plaint du bruit, que vous expérimentez vraiment un bruit très dérangeant, que vous prenez conscience de l'effet potentiellement négatif. Et là, c'est un peu difficile de ramener 20 élus ou 20 un conseil municipal chez quelqu'un. Souvent, les gens ne sont pas super à l'aise à faire ça. J'ai essayé de le faire d'ailleurs, ça n'a pas trop marché. Et peut-être un espoir que j'ai, c'est par rapport au côté, peut-être un peu naïf, mais de créer des localisations, créer des environnements virtuels. Et donc, c'est là où l'enregistrement sonore et de recréer des environnements sonores dans un contexte, c'est ça, soit virtuel, soit
dans des endroits où on peut contrôler l'environnement, puis on peut le modifier. Ça, je trouve ça super intéressant. Ce serait une sorte de balade sonore, c'est ça, décalée ou 2.0. Merci. On a également une question pour Cathy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la chasse au trésor avec des enfants, donc que vous avez évoqué tout à l'heure? Voilà une demande. C'est une bonne façon de solliciter l'écoute, je trouve, pour des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés à écouter. Mais si je peux juste passer sur un autre thème qui a été parti, on a commencé à parler du corps, et je pense que l'échelle humaine est une partie très importante de la balade sonore. Je pense surtout à Hildegard Westerkamp, qui a fait énormément de travail sur la balade sonore. Et pour elle, d'amener des gens à écouter leur corps, de écouter s'ils peuvent entendre leur pas dans une place ou une autre. C'est une bonne pointe de référence, je trouve. Et aussi, en même temps, une bonne façon de se souvenir aussi plus consciemment des sons autour de nous. Je voulais aussi non seulement parler de mon travail, mais sur un colloque que j'ai dirigé avril passé, qui s'appelle Soundwalk Symposium, où il y a plusieurs chercheurs. Effectivement, il y a Hildegard qui parle de son premier balade sonore, mais il y a aussi des chercheurs urbains qui parlent de l'intersectionnalité de l'écoute, comment l'écoute pour des gens urbains est tellement différent que des gens en campagne, et l'aspect politique du son. Comment l'être humain peut être effacé par le son industriel. Alors, c'est ce que j'ai à offrir. Oui, donc toutes ces références, de toute façon, on pourrait retrouver ça aussi on indiquera toutes ces références sur le site de la semaine du son. Gilles voulait prendre la parole peut-être aussi, réagir, j'ai cru. Oui, je voulais rebondir sur la notion d'écouter le pire, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de mettre parfois des gens en situation extrême. Et sur une autre idée aussi que je parlerai après, mais il n'y a pas très longtemps, pour citer un exemple, on a fait une longue marche de 2 ou 3 heures en suivant les périphériques lyonnais. Donc là aussi, on a été chercher le pire. C'était presque de l'urbex sonore. On a passé dans des endroits pas très autorisés, on s'est fait klaxonner, enfin bon, c'était assez rigolo, si on peut dire. Et là, dans cette marche, c'était avec un centre d'art contemporain, mais il y avait aussi des gens de l'Université Lyon 2 en sociologie, et il y avait aussi des aménageurs. Et donc, c'est ce qui est intéressant, et là, je rebondis sur les propos de Romain, c'est d'arriver à accompagner ou à inviter plutôt des gens très différents pour qu'il y ait vraiment ce brassage et ces points de vue ou ces points de vue. Là, je repense à aux travaux d'une chercheuse qui travaille entre Paris et l'UQAM, d'ailleurs à Montréal, qui s'appelle Muriel Suchet et qui travaille sur l'indisciplinarité et sur l'importance de décloisonner les pratiques et les savoir-faire dans une expérience collective, qui s'attaque aussi d'ailleurs un peu à l'institution figée comme ça. Et pour moi, c'est hyper important de... Le rêve, ce serait de... Il y a un cirque qui passe à côté de chez moi.
Voilà, vous avez une ambiance lyonnaise. Et donc, dans l'idéal, pour moi, ce serait toujours d'arriver à inviter des gens du champ artistique, des gens du champ de l'aménagement, des gens du champ des sciences sociales ou des sciences dures, de l'acoustique, et qu'on puisse vraiment se balader ensemble. Mais c'est très, très compliqué de faire entendre ça parce qu'on a encore beaucoup de chapelles, parce qu'il y a des moyens financiers qui ne suivent pas, parce qu'il y a des contingences matérielles qui sont compliquées entre les chercheurs, les artistes et les politiques. Donc voilà, c'est un vœu pieux. Alors peut-être on va peut-être ouvrir au public, Pascal, si les personnes veulent aussi intervenir, poser des questions. Oui, tout à fait. Donc, j'invite les spectateurs, enfin le public, à poser des questions. Il y en avait déjà qui avaient été posées, donc que tu as partagées. Donc, je ne sais pas s'il y en a encore à travers l'espace questions-réponses. Bon, en attendant, voir si ça arrive, je vais rebondir. Alors moi, j'ai pris des notes partout sur mon calepin, donc j'ai plein de choses à dire, mais je vais faire juste partager une anecdote et puis me concentrer sur un point parmi tout ce qui a été abordé pour conclure. Donc moi, l'expérience de l'écoute en duo, je l'ai expérimentée à l'école primaire. Donc j'ai osé le faire une fois parce que ça ne marche pas. En fait, tout simplement parce que pourtant c'était des enfants qui avaient été préparés à la promenade sonore, donc il y en a un qui guide, l'autre qui a les yeux fermés. Et en fait, on parlait de temporalité tout à l'heure. À cet âge-là, les enfants ont des temporalités qui sont extrêmement différentes et on ne peut pas mettre dans les mains d'un enfant hyperactif un enfant qui ne l'est pas. Et un enfant hyperactif qui guide un enfant qui ne l'est pas, ça ne fonctionne pas du tout. Donc mon expérience a été très courte parce que c'était des enfants qui avaient, j'avais osé quand même, hein, qui avaient 8-9 ans. Donc je voulais vraiment quand même vérifier si ça fonctionnait et donc non, parce qu'il y a toute une conscience, enfin, de ce que c'est l'individu qu'ils n'ont pas à cet âge-là. J'étais à mes débuts là et bon, j'ai arrêté tout de suite. Par contre, effectivement, la promenade sonore en milieu scolaire, que ce soit au niveau des enfants ou au niveau des enseignants, je l'ai expérimenté de différentes façons et c'est vraiment une pratique qui devrait être inclue dans la formation des enseignants, qui devrait être pratiquée dans le milieu scolaire, ne serait-ce que quand on est pas forcément par des professeurs de musique ou autre, hein, mais quand on travaille la géographie sur le territoire que j'occupe, parce que c'est quand même un volet qui fait partie du programme de géographie dans l'école, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous partager cette anecdote qui a été vécue. Par contre, on l'a fait, cette pratique-là, quand on a fait une intervention auprès des enseignants. Et là, effectivement, ça fonctionne très bien. Moi, je voulais revenir sur, pour conclure un petit peu, sur un point qui fait écho. Ah, il y a une question. Alors, je vais peut-être faire passer la question avant. Ah oui, non, c'était une réponse. J'avais... apporter des précisions sur la chasse au trésor entre-temps pour la question. C'est sur la notion de tension sensorielle, qui est une notion qu'a développée Anthony Pequeux. Et donc, il parle justement de ces fameux écouteurs maintenant, puisque là, je renvoie une étude de Grandjean et Combes sur la numérimorphose, où avec le XXe siècle, hein, et l'apparition du numérique, eh bien, tous les objets rapetissent, et donc on est vraiment dans l'ère de la portabilité. Et on porte tout, y compris le son, partout où on va. Et avec la technologie, donc le développement des écouteurs, si vous avez observé un petit peu comment fonctionne le public, qu'il soit adolescent ou adulte, bien souvent on se retrouve avec des personnes qui écoutent avec une oreillette, parfois les deux, mais souvent une.
Et donc, Anthony Péqueux parle de torsion sensorielle parce que le cerveau, bah, il est pris un peu en sandwich entre les informations qu'envoient les écouteurs et l'information réelle de l'environnement sonore dans lequel se déplace la personne. Donc, je trouvais que c'était une remarque peut-être intéressante parce que pour moi, la promenade sonore, justement, dans une ère ou un 21e siècle où on est entouré de sons amplifiés en permanence, vous parliez des magasins, on nous impose de la musique dans les magasins, mais c'est du son amplifié, bien souvent mal formaté au niveau des formats, des fichiers sons. Les sons qui sont envoyés dans les écouteurs, puisque tout le monde quasiment se promène avec les écouteurs, c'est une reconnexion avec le son acoustique, avec ce que c'est que le son acoustique. Je pense que c'est vraiment, pour moi, une notion vraiment très importante. Et justement, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, Gilles, hein, c'est par rapport à ce décloisonnement. C'est vrai que nous, en tant qu'individus, quand on se déplace avec notre dôme, hein, puisqu'on écoute à 360 degrés avec notre dôme, ben, le son, on le perçoit de différentes façons. On le perçoit parce que l'acoustique, elle est comme ça ce jour-là, parce que mon état physiologique, il est comme ça ce jour-là, parce que le son qui me parvient, il est ou en acoustique ou amplifié, etc., etc. Et donc, parce que mes oreilles sont dans tel état à ce moment-là. Donc, on a vraiment une globalité du son environnemental qui mélange en fait les approches qu'on pourrait en avoir. Et donc, voilà, en fait, c'était un peu la réflexion du moment en essayant de synthétiser. Enfin, je ne peux pas synthétiser tout ce que vous avez dit parce que vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais moi, c'est ce qui me vient là à l'esprit en guise de conclusion. Je ne sais pas si il y a des réactions à ce que je dis ou pas. Voilà. Merci en tout cas à tous. Une question dans le chat. Ah oui, tout à fait. Donc, une question pour Cathy, qui mentionnait accorder une grande importance à la discussion après la balade sonore. Quelles sont les caractéristiques spécifiques de ces discussions et plus largement des traces? On peut discuter comme on veut, mais on peut trouver les sons qu'on aimait le plus, le moins, les sons les plus loin, les plus proches, et faire d'autres distinctions comme les sons les plus aigus, les plus graves, quels sont les sons naturels, humains, technologiques, et et plein d'autres types de caractérisation des sons, par exemple. Merci. Tous d'avoir été avec nous. Je crois qu'on a perdu Pascal. Non, pas du tout. Je finissais de répondre à une personne sur la chasse au son, en fait, sur la chasse au trésor. Ah oui. Voilà, qui posait la question, trouvait des sons. Donc, je lui répondais que je pouvais lui en fournir si elle avait besoin. Mais je pense que Cathy peut le faire aussi. Voilà, vous ne m'avez pas du tout perdu. J'étais bien ici. Donc, je vous remercie vraiment grandement pour votre participation. Ça va vraiment nourrir ma réflexion parce que, Raphaël, vous avez dit quelque chose qui fait complètement écho puisque c'est mon sujet de recherche. Vous avez parlé d'écoute globale. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, surtout parce que, par exemple, dans les programmes de musique, hein, on travaille sur l'écoute, mais sur une écoute qui est focussée, qui est dirigée. Et qu'on perd cette dimension de la globalité. Une fois qu'on l'a perçue, on choisit, on fait son chemin en conscience. Et c'est vrai que donc moi, ma démarche, elle s'inscrit complètement là, c'est-à-dire comment arriver à trouver un modèle éducatif qui intégrerait cette écoute globale, justement. Et donc là, j'étais ravie de vous entendre parler de cette dimension-là, parce que je pense que c'est crucial. Donc, merci beaucoup, beaucoup à votre, et à vous. À votre présence. J'aurais aimé poursuivre parce que c'est un sujet vraiment qui me passionne, celui-ci. Mais bon, on aura, je pense, l'occasion encore d'échanger dans d'autres circonstances ou dans celui de la semaine du son. On va trouver des sujets,
C'est sûr et certain, on est très créatif à ce niveau-là. D'ailleurs, avec Romain ou Emmanuel. Romain, ouais, est-ce que l'année prochaine, on les ramène au Canada? On trouve un financement et on ramène tout le monde au Canada? Ça, ça serait vraiment super, oui, complètement. On découvrait un peu l'environnement sonore, ça m'intéresse. Parce que c'est vrai, moi, j'ai été étonné quand même de certaines choses. C'est que Hildegarde Westerkamp, je me souviens qu'elle avait fait notamment des interviews de micro-trottoir, et où elle posait des questions vis-à-vis de la corne. Alors, j'ai plus tous les détails, mais je me souviens que c'était lié à ce son qu'on retrouve, enfin cette sonnerie, on va dire. Et les gens disaient non, ça ne me dérange absolument pas. Et puis tout d'un coup, bam, ça arrivait, ça sonnait. Et puis la personne ne pouvait plus parler, elle n'entendait plus rien, elle était choquée. Anastasia pourra peut-être détailler davantage ça, puisqu'elle avait présenté ça avec Hildegarde à Paris 8. Ça a été fait déjà, ça, je ne sais plus dans quelle année elle avait fait ça, mais c'était il y a déjà 30 ans peut-être. Et donc, je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, effectivement, ça n'a peut-être pas beaucoup bougé, alors que pourtant, c'est un pays pionnier dans tout ce qui est de la compréhension des problématiques du son. Donc, c'est vrai que... On a des très bons chercheurs, vraiment. Et voilà, il y a des exemples ici, des très bons académiques. On n'a pas forcément des très bons décideurs locaux. On le voit partout, hein, les freins c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des enjeux financiers. Certaines municipalités se saisissent de choses très simples qui sont justement à Québec par exemple, d'avoir mis sur certains trottoirs des choses pour qu'on n'entende pas, d'avoir mis du bois de manière à ce que ce soit moins fort justement, et ça c'est parce que les riverains se sont plaints et que par rapport à tout le tourisme qui pouvait être présent. Il y a eu des choses très très simples qui peuvent être faites. Et ça, c'est vraiment essentiel de positionner ces petites choses. Et même sur tout l'aspect de l'écologie et sonore liée aux animaux, quelque part, c'est aussi faire le lien avec des groupes peut-être communautaires de la défense de l'eau, par exemple, qui soulignent ces problématiques-là. C'est du sonore, mais c'est une problématique environnementale qui va nous arriver en pleine figure également. Donc, c'est des ramifications, peut-être, de trouver des liens les uns avec les autres pour que la politique bouge. Pour la pointe d'humour, pour rejoindre Romain sur le fait de vous faire venir, il faut absolument que vous découvriez le son des déneigeuses et des alarmes quand il faut libérer les rues pour que justement la déneigeuse parle. Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu ça, j'étais prête à sortir de la maison en me disant « c'est pas possible, il y a une alarme générale, il faut évacuer », mais c'est… J'allais en parler, c'est le sujet… Par exemple, actuellement, c'est ça le sujet qui occupe la ville, c'est ce bruit des déneigeuses. Donc, on est rendu à ce genre d'enjeu. Ça fait très canadien, québécois. Et en fait, c'est propre à Montréal. D'ailleurs, ceux de Québec, ils disent « Ah bon, c'est comme ça que vous faites à Montréal ?» En tout cas. Moi, par chez moi, j'ai les rafales qui passent au-dessus de ma tête. Donc, ça fait pas mal de bruit. Aussi. Sérieux ? Il y a quelque chose du Canada que je garde comme des belles expériences, c'est de travailler avec les cégeps, parce que nous, on n'a pas de cégep. Et les quelques cégeps où je suis intervenu, où ils avaient des studios son qui ne feraient pas lire d'envie des studios d'électroacoustique chez nous, techniquement, je trouve que c'est un très bon... c'est des très beaux lieux aussi pour aller sensibiliser à la fois les enseignants et les étudiants. Et ça, c'est quelque chose... qu'on n'a pas en France. Nous, on passe de l'université au collège, au lycée, mais on n'a pas ces espaces un peu intermédiaires. Ça, c'est mon expérience aussi que j'ai de ce séjour que j'ai trouvé très, 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 très chouette, et de rencontrer les étudiants dans ces cadres-là. Oui, justement, j'y étais. J'ai pris ma retraite il y a 15 ans. Mais j'ai donné ce cours pendant presque une dizaine d'années. Les étudiants qui ont 17-18 ans sont très ouverts, très, très, très disponibles. Et effectivement, les cégeps, il y a une très grande diversité de programmes préuniversitaires et techniques. C'est vraiment des lieux d'une grande richesse, je trouve. Puis,
où il y a beaucoup de possibilités. Oui. Moi, je me souviens d'un studio à Drummondville, je crois. Hein? Et avec un studio de son fabuleux, quoi. Je me suis dit, waouh, quelle chance. Oui, ouais, au Cégep du Vieux-Montréal aussi, il y a une spécialisation en entretien d'équipement audiovisuel. Donc, on est très, très, très bien équipé aussi. D'ailleurs, j'ai laissé, en parallèle au cours, j'avais fait une installation sonore au Cégep à l'entrée secondaire. Et elle est encore là, à peu près 35 ans plus tard. on vient de transformer l'installation avec des équipements numériques. Avant, il y avait une cassette auto-reverse qui fonctionnait assez bien jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Maintenant, c'est numérique et ça joue 24 heures par jour. Et ce que j'avais fait, c'est d'introduire des éléments sonores de nature dans un lieu plutôt urbain. Et j'ai beaucoup de remarques intéressantes des entretiens, des employés de soutien qui font le ménage la nuit, qui aiment bien écouter les baleines ou les oiseaux. Bien, il va falloir clore donc notre rencontre. comment dire, la vidéo sera donc accessible sur le site de la Semaine du Son Canada. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des liens de ressources vers lesquelles on peut aller ou aller à la rencontre de votre travail, de vos expérimentations. On les fera figurer avec la vidéo. Donc, merci et puis bonne continuation dans la promenade sonore. Merci. Et à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et cette merci organisation. Beaucoup. Très merci, à bientôt. Patrice aussi. Au revoir. Merci de l'invitation.